va avancer, sac à merde. Tu dois fermer ta gueule, ta vache. Comment tu t'appelles? Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de cette immersion à la Légion étrangère. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez checker ça de suite, juste là. Il est 4h du mat, on a très peu dormi, on est crevé, mais voilà, ça fait partie du jeu. On va entamer de suite la synthèse corps à corps, donc on a hâte de se confronter à ce nouveau challenge. Mais en même temps, on est un peu anxieux, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas ce qu'ils nous ont concocté. C'est réputé pour être vraiment très difficile. On espère qu'on va être à la hauteur des challenges qui nous seront proposés. Si ce n'est gagner le respect du major, au moins avoir la satisfaction d'avoir tout donné dans ce stage commando. Rentre dedans, tu lèveras bien la tête pour pas trop avaler d'eau parce qu'elle est froide. Okay, je déconne, ça. Là, tu vois, quand t'es en opération, où tu progresses comme ça la nuit dans des endroits, tu sais, où il y a du danger, là, t'as les yeux ouverts comme ça et le palpitant, un peu comme du fractionné, tu vois, et t'es sous feu court en permanence. Toi, Bonjour, je suis le caporal chef Altur. J'ai 24 ans de service. Je travaille au musée de la Légion étrangère et je suis sapeur pionnier. On se prépare pour défiler à Paris, puisque c'était eux les premiers qui ouvraient les passages pour les combattants. Et comme c'était les premiers à tomber au combat, c'est eux qui défilent toujours devant. Mais là, nous allons monter jusqu'à la croix du gars là-bas et après, vous ferez du rappel. Allez les gars, c'est bien. Petit pas dans la côte, faut que vous trouvez. De la veille, c'était compliqué. L'esprit veut, mais les jambes répondent plus. Et c'est là qu'il faut avoir le surplus de volonté pour pouvoir aller au bout, parce qu'il y a un moment où tes jambes, faut les forcer à avancer. Et c'était ça qui était un peu dur. C'était vraiment oublier la douleur, oublier tout, pour aller, tu vois, plus loin que ce que tu peux donner. Ouais, c'est très bien. Petite foulée dans la poche, petite foulée, tire avec tes bras. Je sais pas si c'était la pente, la fatigue, j'ai essayé de courir, ça voulait pas, les jambes ne répondaient plus. Et c'est toujours frustrant quand l'esprit veut, mais que le corps ne veut plus. Ce qui est important, c'est la cohésion, c'est l'esprit d'équipe, et c'est comme ça qu'on peut aller plus loin. Parce que s'il y en a quelqu'un qui lâche, c'est la débandade, tout le monde va lâcher. Revenir en arrière pour pouvoir prendre par les épaules. Parce que dans tous les cas, l'idée, c'est qu'on arrive ensemble, donc il faut s'adapter sur celui qui va le moins vite. En l'occurrence, Clément, c'est pas tout le temps celui qui va le moins vite, Clément. Parfois, il me met quelques mètres dans la vie, même souvent. Putain, c'est dur. Sur le gars là-bas, c'est bien tout fini. Allez. T'as compris ce que c'était, un sac à dos? C'est ce que je voulais. Allez, c'est très bien, continue. Non, je peux garder. Mais en fait, tu vois, ils sont contents de l'avoir. Allez, Clem. Stop. Allez, arrête la course. C'est bien les gars, félicitations. C'est bien. C'est pas fini. Hein. C'est pas que vous soyez trop épuisés, je vous ai viré les musettes avant. Vous avez compris ce que c'était que le sac à dos. J'ai vu que vous avez les yeux pleins de bonheur quand je vous l'ai enlevé. Ok les gars, regardez. Vous avez visuel sur la croix. Elle a environ une centaine de mètres. Vous êtes bientôt arrivés. Allez, courage, on y va. Bienvenue à la croix du gars là-bas. Bienvenue à la croix du gars là-bas. Bonjour, je suis le sergent-chef Nicolas. Actuellement, je totalise 20 ans d'années au service de la Légion étrangère. J'ai commencé mon parcours au 2e régiment étranger de parachutistes. J'ai eu la chance de pouvoir devenir instructeur au centre d'entraînement en forêt équatoriale en Guyane. Mes qualifications en tant qu'instructeur commando permettent de réaliser des exercices au plus près de la réalité et pousser un peu les personnels dans leur retranchement pour les aguerrir un peu plus. Voilà. Dans le vide, les jambes écartées, tu es stable. Si tu serres les jambes, hop, ouais, tu vas pivoter. Bien. D'accord ?
Ça devrait être fait déjà, putain de merde. Dans 5 secondes, vous n'avez pas le cul dans le véhicule, vous descendez en courant. 5, 4, gardez les baudriers, 3, les baudriers, hein. 2, 1. C'est la limite, c'est la limite, là, je suis trop beau. Allez. Et là, on est embarqué illico presto dans les 4x4. On arrive à la fond de mai, et là, c'est là où les ennuis commencent. Ça part sur la synthèse du corps à corps. 4, allez, j'entends 5, rien, plus 6, fort 7, 8, 9, 10, on va remonter, 12, 13, plus le sol. Regarde, on recule, plus le sol. Allez, on pompe, c'est parti. 1, 2, 1, 3, 4. Allez, passe par-dessus là! Allez, traceur! Par-dessus! Allez! Allez, cours du sol par là, tu reviens ici! On avance! On décale! On recule! Du sol! Regarde! Allez, on va toucher les orbes avant, regarde! Passez rapide, revenez ici! Allez, on rampe, on vient vers moi! Remplis l'approche, commando! Comme ça, tu peux remplir l'approche! Technique! Roule à l'arrière! Roule à l'avant! Allez, va me toucher la murette là-bas! Vite! Pense! Autant vous dire qu'on était à bout de force avec la course, essoufflé comme pas possible, on soufflait comme des bœufs. Un coup c'était le major, un coup c'était le sergent-chef Nicolas qui nous trimballait partout. Sur le dos, sur le ventre. En garde ! Roule à l'avant ! Les mains dans les poches, assis ! Debout ! Assis ! Sur le ventre ! On commençait à arriver dans les retranchements. Et donc là c'était vraiment le mental quoi, fallait pousser au bout. Il y avait un mur de 1m50 à grimper avec des pierres. J'ai jamais mis autant de temps à grimper un mur, c'était 3, improbable. 2, 1, on descend ainsi. On poussait du sprint, au-dessus. Allez. 4, 5, plaque au sol. Pipon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. Je veux. Allez. 3, regarde devant toi. 4, 5, roule à l'arrière. Plaque au sol. Main dans le dos, je t'ai dit. Okay. Ta gueule. Si t'as mal, je m'en branle, t'as compris ça? J'en ai pas un, vous prenez 3 coups de pied dans la gueule. Super pour vous ça. Comment tu t'appelles? J'ai pas de nom. Comment tu t'appelles? Pas de nom. Comment tu t'appelles? Non. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Parle des maisons. Espèce de brêle, tu dois fermer ta gueule. Allez. Ah, tu connais le Land Rover? C'est un véhicule de l'armée française. Allez, viens ici. Allez, tu vas avancer, sac à merde! C'est au moment où t'es diabulé, c'est que tu viens d'enchaîner tout le cardio et tout, et donc t'as la température qui monte, t'as la tête qui se chauffe dans ton sac plastique, et puis t'as du mal à respirer, donc tu commences à transpirer à grosses gouttes, à manquer d'oxygène aussi, et je me rappelle, ouais, je commence à avoir plein de sueur dans les yeux, commence à piquer. Je me suis tordu pour essayer d'ouvrir un tout petit peu le sac pour avoir au moins un filet d'air, et tu te rends compte que juste un micro filet d'air, c'est déjà une partie de bonheur, quoi, c'est ça. Ça te sauve, ça t'est essoufflé et tout. Il faut réussir à pas paniquer, pas céder à une sorte de claustrophobie et pouvoir se calmer, profiter du fait que bah, malgré tout c'est l'accalmie, tu es quand même allongé, bon, de manière inconfortable, mais ils te demandent pas de faire des roulades, des plaquages au sol, donc il faut pouvoir se dire, ok, j'ai un petit instant de répit, j'en profite. Allez, débarquez. On arrive à la base, ils nous sortent donc cagoulés toujours, on se pète la gueule sur absolument tous les endroits où tu peux te péter la gueule, et on est mis dans un local. À partir de maintenant, on réfléchit, on se concentre. Réfléchissez, analysez, contrôlez-vous. On est dans ce local, vent noir, ils ouvrent la porte simplement pour nous balancer de l'eau. Il faut profiter de toutes les petites choses que tu as. C'est-à-dire, moi j'avais un fond d'eau dans ma cagoule, j'essayais d'en attraper un peu parce que j'étais mais assoiffé. J'ai pas entendu. Le prénom c'est comment? Le prénom c'est comment? Le prénom c'est comment? Jacques. C'est pas mal, bon, commencez bien. Et puis là, d'un coup, la porte s'ouvre, on vient te chercher, on te traîne dehors, on te retire la cagoule, et là, forcément, t'étais dans le noir, t'as le soleil qui tape, tu vois tout blanc, un peu flou, tu comprends pas trop ce qui se passe, et là, ça a été dans le jus. La fin de ta mission pour toi, c'est de rejoindre un point de manière à prévenir que tu as encore des prisonniers pour venir les aider, d'accord? La vie de ton copain dépend de toi. Bien sûr. Hey Clément, debout, pas le major devant toi. Il y a Paul, il a tenté de s'évader, il s'est fait attraper. Ok, donc la seule chance qu'il a pour se sauver, c'est que toi, tu as pu t'évader, c'est que tu sortes de la zone minée ici, okay, et que tu puisses donner l'alerte pour dire que tu as ton copain qui a été pris encore. Okay. Donc aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir lui sauver la vie. T'es un héros aujourd'hui. Allez. Il faut que tu donnes l'alerte. Pour toi, c'est la réalité, c'est ta réalité, mais tu vas aller jusqu'au bout pour sauver ton copain. Tu recules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, croisé. Ici,
1, 2, 3, 4, allez, allez, vitesse, vitesse, vitesse. Attention, tu passes en direct, 3, 0, réveille-toi. Regarde, là, regarde, regarde. Allez, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, allez, allez, vitesse, vitesse, vitesse. Attention, tu passes en direct, 3, 0, réveille-toi. Regarde, regarde, regarde. T'as des assaillants qui viennent de partout, devant, derrière, sur les côtés, faut vite réagir. Let's go, let's go. T'as la vie de ton copain entre les mains, ok? Rampée d'approche et neutralisation. C'est clair pour toi? Va prendre ta mission. Tu peux être un héros aujourd'hui, il faut sauver. Paul, il est en danger, ok? Si tu sors pas de là, Paul, il est mort. Y'a que toi qui peux sortir de là. Allez, Paul, je veux, je peux. Voilà, voilà. Exactement. Là, on faut monter un container. Le truc, ça glisse, t'es fatigué, t'es à bout de force. Allez, bon, bon, bon. Allez, 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 allez. Allez, descends l'autre côté, descends l'autre côté. Roule avant. Le sol. Allez, c'est bon. Tourne les manettes. Ok. Debout. Allez. Allez, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, vitesse. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plaque au sol. Le parcours pour l'instant. Ça se passe pas trop mal, ok? T'as réussi à éliminer pas mal de monde. T'as toujours la vie de Paul entre tes mains, t'oublie pas. Je compte sur toi, ok? Ah! Le pneu arrière gauche, tu te postes derrière, ok? Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. On te voit, dépêche-toi. Le sol! Ok, allonge-toi, allonge-toi. Souffle un peu. Tape un sprint, tu fonces, tu vas te poster à côté de lui, il va donner la suite de la mission. Ok, allez, go, là. Tu postes à couvert des arbres, et là, tu arrives sur la synthèse finale. Donc là, tu as un groupe d'assaillants qui essaient de te maîtriser, il faut résister. Avec la fatigue, tu essaies de tout donner. Le sol, le sol, top, c'est bon, relève-toi. Le sol, de suite. Voilà, vigilance, regarde où tu es. Très bien. Voilà, dessus, allez, viens au sol, dessus, dessus. Allez, foutez-le au sol. Mettez-le au sol. Allez. Allez, on l'immobilise. Paul, tu vas échouer ta mission, putain, tu vas échouer. Non. Tu veux réussir? Tu sais que t'es cuit, t'as terminé. T'es en train d'échouer. Paul, il va mourir à cause de toi. Tu veux une dernière chance, Clément, ou pas? Clément. Oui. Allez. Regarde, regarde. Allez. Allez, défonce-le, défonce-le. Allez, tu lui mal. Frappe, Clément, frappe, frappe. Allez, tu dois le cartonner. Allez, Clément, on fout le plafond par terre. Voilà. Voilà. Là, on a une chance. Maintenant, là, défoncez. On peut taper la pole. Vas-y, le pied. Tu n'as pas pris les coups de pied. Allez, le pied, le poing. Voilà. Allez, Blackman, tu te lèves. Allez, tu te lèves, le Blackman. Regarde-moi. C'est terminé. Allez, 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 mets du jus, fais tout ce que t'as, tout ce que t'as, t'as que dalle, putain, plus que seul. Regarde, regarde-moi. C'est terminé. On le tape, quand on arrive enfin à le maîtriser, à le mettre au sol, on est content et tout, mais on sait jamais ce qui nous attend. Je m'attendais à ce que l'instructeur vienne nous boxer aussi, mais en fait, une fois que le Black Man est à terre, c'est la fin. Et donc là, on nous dit que c'est fini, et là, c'est enfin la délivrance, et donc il y a de la joie, etc., mais aussi à bout de souffle, parce qu'on n'est plus dans le jus, donc d'un coup, la tension redescend. Bon. C'est bon, on est ? Ici, on a parfait le motif. Correct, ça veut dire c'est quoi parti. C'est bon, tu bois un coup et on recommence. Ok, merci. C'est bien. T'as réussi ? Ouais, tout. Je suis pas. Non, le conteneur, j'ai pas réussi. T'as réussi, conteneur ? J'ai réussi, mais. T'as réussi, conteneur ? J'ai doigts d'escalade. Moi, j'ai pris le truc, j'étais. Yeah ! Monte, Paul, monte ! Allez ! Putain, c'était dur. Très, très dur. T'es constamment debout, par terre, au sol, à droite, à gauche. Et le cardio, là, il prend un coup. Il fait froid, mais avec le chaud que t'as avant, ça fait presque du bien. Ensuite, le parcours nautique, bon, j'étais extrêmement fatigué, j'ai fait n'importe quoi. Sauter ou plonger? Bien évidemment, pour une raison chronométrique, il est préférable de plonger. Passer par-dessus le premier rondin, en dessous le deuxième rondin, le réseau à franchir en apnée. Donc la table irlandaise, vous devez la franchir sans poser les pieds au sol. Vous montez dessus et vous plongez. En
Alors soit vous passez assis ou sur le côté vous jetez, mais bien sûr chronométriquement parlant, la meilleure solution c'est de monter, de prendre appui quand même sur le pied. À l'intérieur ici du cerceau en apnée, vous venez, vous touchez le bord du bassin, lorsque c'est touché, c'est arrêt du chronomètre. Voilà. On est en 1 minute 36 secondes, 16 centièmes. T'as perdu quand même une bonne cinquantaine de secondes à te remettre les cheveux. 2 minutes 03 secondes, 78 centièmes. C'était le noyer surtout. Plusieurs fois, toi aussi, tu me l'as confié que t'as fait être noyé plusieurs fois. Ah, pour le coup. Le tri, c'est très lourd. Ouais. J'ai plongé, j'avais jamais trop nagé avec des vêtements. Là, d'un coup, je suis oh ouais, mince. Et puis, avec la fatigue, c'est terrible. On n'est pas non plus des excellents nageurs, mais c'était cool de. Après toute cette fatigue cumulée, de encore continuer dans un autre domaine. Et le comportement était remarquable, c'était un plaisir. Donc vous pourrez revenir faire une synthèse au rapport quand vous voulez. Et c'en est fini de cette mise à l'épreuve, on allait au bout de la synthèse corps à corps, et ça, c'est un vrai soulagement. Ouais, carrément, c'est vraiment très dur physiquement et mentalement. On est allé au bout de l'effort et je suis bien content que ce soit terminé, je pense qu'on peut être fiers de nous. La satisfaction de l'effort accompli, c'est quelque chose d'incommensurable. Bon, pensez à vous abonner et à rester vigilant car l'épisode 3, le dernier, sort jeudi pro à 18h. Dans celui-là, on emmène les légionnaires dans une course relais en milieu urbain. 400 mètres, 20 obstacles, ça va être trop cool. Ça va envoyer. À jeudi pro, entraînez-vous bien, à bientôt. Ciao.